tout le monde, on se retrouve de nouveau pour continuer notre petite session sur Dead Island 2. Et j'en profite, Broudaf, si jamais tu veux acquérir le jeu, j'envoie le petit lien partenaire de la chaîne. Bon, t'es pas obligé d'utiliser, toi tu maîtrises, tu sais comment ça fonctionne. Et si jamais tu as le jeu, ou que quelqu'un d'autre d'ailleurs a le jeu, il y a moyen en regardant le stream de profiter des drops et d'avoir un sympathique petit fusil à pompe. Assez classieux. Et il peut se jouer en multi complètement, ouais. Il se joue même très très bien en multi. J'espère pouvoir jouer en multi la semaine prochaine. Pour l'instant pas encore, mais... non, Emma elle est plutôt à l'étage, Emma. Alors on a deux ronds. C'est ça qui me perturbe. Mais oui, il est complètement jouable en multi. Avec des amis Steam, avec des gens que t'as rencontrés. Go away. Guess who's back and spoke to the CDC. Are they coming to rescue us? No, but there's a doctor in Santa Monica. We gotta get going. We. What's this way? My blood is the key to fixing all this crazy shit. Humanity's depending on it. Really? Once they make the vaccine, I'll get you some. No problem. But they need me to get there first. Well, sounds like you're the star of the show now. Break a leg. Hey, this is gonna be way more fun with friends. All of us together? We got a shot at making it. There's no way you'll get Sam to go. He's made that very clear. Well, duh. But you can. I'm not the one he's totally crazy about. I'm not a total egomaniac. I don't know why you think Sam would risk everything for me. You guys obviously have, you know, history. He had his chance. Real talk? He came back when the world fell apart. This is too big. I'm not doing anything till I talk to Michael. I'm surprised he hasn't stuck his nose in already. Let me handle it. But for real, Sam still loves you. I can sense these things. Ah, un petit niveau. On a débloqué un emplacement de tueur. Irréfrénable, je m'échauffe à peine, bloquer des attaques ou subir des dégâts d'affilée donne un bonus mineur de dégâts. D'accord, ok. Très très bien. Et ici, on a... Le coup volant affaiblit les zombies ou le cri de guerre rend la santé et supprime les effets néta nuisibles. Mais bloquer me semble plus pertinent et là du coup la trousse de soins, est-ce qu'on peut se passer de la trousse de soins pour prendre autre chose? Ouais, le cri, il faudrait que je pense à utiliser. Alors Canton actuellement, c'est malheureusement une exclue épique, le Dead Island 2. Donc même s'il n'y a pas d'annonce, il est probable que dans un an, il sorte sur Steam. Et il est aussi sur console, PS5, Xbox, et je crois pas qu'il soit cross par contre dans ce mode là, quand on joue en console. Il faudrait que je revérifie sur le Discord des créateurs. Mais je crois pas qu'il soit cross. Michael, where are you? Alors, où est-ce qu'il s'est planqué ce con? Est-ce qu'il nous a entendu et il boude? Michael, where are you? Michael? You're not in a rush, are you? Keep an old man company for a while. Et où ton super flingue, mec? T'as pas gardé Penny avec toi? C'est bien dommage. Bon, ici c'est barricadé. Ici il y a toujours le coffre, mais on n'a pas trouvé le paysagiste. Michael, tu t'es... Où est-ce que tu t'es foutu? Où est-ce qu'il s'est planqué ce con? Ouais, toute la jauge en haut est entièrement jaune, c'est-à-dire qu'il est dans la zone, mais on sait pas où.
personne dehors. Ah, il y a un truc là. On trouve un moyen d'y aller. On n'a pas d'armes donc on peut pas casser les vitres. Oh, salut toi. La bande annonce de Présage Meurtrier. How's the video coming? Ah putain, il y a les deux dialogues en même temps. Ah, au secours, c'est le bordel. Ok, alors les dialogues qui se lancent en même temps que tout là, c'est un peu le bordel. On va pas se mentir. Ok, non, ça me dit bien qu'il faut que je re-rentre. You tried his room? Go down here, take the stairs on the right. This place is fucking huge, huh? Ah ouais, il y a encore un escalier là, j'avoue. Ah non, c'est le même. Putain. Donc du coup, c'est peut-être plutôt celui qui était là. Et là, on sort dehors? Qu'est-ce qu'on va où là? Ah non, là c'est la... la salle de sport, hein, avec douche, s'il vous plaît. Gotta be it. Michael? Tio. I hope you're happy, you devil. Hey! Oh, that girl. And after everything he's done for her. No. No, that's it. It's time we had a talk, Emma. Don't. Hey, wait a sec. Sorry, madrecita. Do you know where Michael is? Gone. Out there. What? Oh, perfect. What did you expect? He was a supporting lead. Then this, and Joe and Sam, and suddenly, poof, he's written out. Talk to me, where'd he go? Get off me! Somewhere, I don't know. To get her to notice him again. Seriously, what is up with these gringos? Emma acts like she's the biggest fucking star. Hey! You don't get to talk about her, okay? You know nothing about Emma. Okay, okay. Lo siento. All right, I gotta find him. Why'd you care? Emma needs her stupid hype man. He's not stupid. I've lost people. I'm not losing another. I wonder if he would... He took his keys to his place in the hills. I'll go right now. God moves in some really fucking mysterious ways sometimes. Perdóname, Dios. I'll bring him back. You'll see. We're not leaving anyone behind. Even your crazy gringos. That's a promise, madrecita. And I will pray for Michael. Gracias. J'aime comment elle précise ça. Non, non, c'est pas pour vous que je vais prier. Hein. Bon. Oh Michael, tu manques à l'appel. Hey, Sam wants some guns. Got any ideas? Not right now. No problem, no problem. I'll fix it. That's what I do. Bah tu pourrais demander au marchand. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Ah, il a de nouveau des fusibles. Cool. On en reprend deux du coup. Voilà. 148, 148, ah, il a de l'arme level 8, hein. C'est sûr que ça fait du DPS. Hein. Hey, Carl. You got any guns back there? No para ti. Is that code for yes? It's code for get away from my damn bar. That's what I love about us, Carl. Est-ce qu'on peut sortir par ici? Non. J'aimerais bien aller voir le truc que j'avais vu de l'autre côté là, mais...
Je sais pas comment on peut ressortir. Là, là. Là, il n'y a pas de sortie. Il y a une sortie là, mais c'était fermé, non? C'était pas fermé? Ah non, c'est pas fermé. Fantastique. Et ben, allons-y. Attends, le cours de tennis dans la résidence, quoi. S'il vous plaît, monsieur. Oh, un jacuzzi. Donc ça, c'est quoi? Autre disposition. Alors, Robert, je suis désolé mais ça ne va pas marcher. La zone d'exclusion dans la marine civile n'est pas négociable, et ce, quelle que soit la somme d'argent que tu mets. Par contre, j'ai obtenu 3 places dans un vol d'évacuation militaire depuis l'Axe. Et oui, je sais que tu n'en voulais qu'une, mais tu ne peux pas l'abandonner et tu sais qu'elle ne partirait pas sans son assistant. Ah putain, le fumier, il voulait se barrer tout seul quoi. C'est aujourd'hui ou jamais, je te préviens, c'est pas donné. 150 000 $ en cash, une fois à l'aéroport, demande le capitaine Winterburn, ne montre l'argent à personne d'autre ou tu risques de te faire rouler. Bonne chance. Il voulait se casser sans elle, quoi. Sympa, sympa. Alors du coup, le chemin le plus court, visiblement, c'est pas par là, donc il faut qu'on rentre. On reprend l'escalier, ta-ta-ta. Et on prend la sortie principale. Alors est-ce qu'on a bien tout fait ici ? Ouais, tout est full, tout est bien équipé. Bon bah. Alors, est-ce qu'on peut remplacer? On va regarder. J'ai vu qu'on avait eu un nouveau. Oui, on peut remplacer. Ok, si on veut. D'accord. Est-ce qu'on a moyen de mettre le truc enflammé sur quelqu'un là? Peut-être là. Non. Alors, est-ce qu'on peut voir ça? Nos plans. Où est-ce qu'on voit nos plans? Inventaire. Je vais collecter les plans, voilà. Alors. Armes prises en charge dans ce mode. Juste les couteaux? Ah non. C'est juste pour dire qu'on en a zéro. Ça dit pas quel type d'arme on peut prendre. But we all gotta stick together. It's part of the deal. Bon bah on est reparti. N'est-ce pas? Par où on sort? Au niveau de la carte, il y a un truc à ouvrir ici, un truc à ouvrir ici. On va aller jusque là-bas, oui, pour sortir, d'accord. Et nous, on est où? On est là. On pourrait passer ouvrir le fusible tant qu'on est ici. Zut, il nous a vu lui. Sprinter maître nageur quoi. Sans déconner. Il y a un zombie dans ma zone. Ah merde, il y en a un autre. Je l'avais pas vu. Un couteau militaire rare. Bon, c'est pas si mal comme loot, c'est pas si mal. C'est clair que ça vaut sans doute pas 150 balles, mais 1500 balles, mais c'est déjà pas mal. Des produits chimiques, les pièces, c'est plein. Donc en gros, dans les trucs à fusibles, il y a un truc comme ça. Et donc le couteau, on verra si on peut lui mettre un truc enflammé. Il y a un truc vert. Ah oui, ça c'est le fusible qu'on a ouvert. Ok, d'accord. Ça nous rappelle qu'il y a des fusibles.
et que on les a ouverts. Là, il y a un contaminé, très bien. Là-bas, on dirait un gros tas. D'allumer la lampe en vrai. C'est juste pas gérable sans lampe quoi. Ouais, je me doute qu'ils vont se relever, mais on avance. Bon, lui, il se relève vraiment devant moi. Putain, j'ai pas le temps là, l'autre il se pointe. Faut y aller maintenant. Faut mourir, mesdames. Il faut mourir, mesdames. Attends, on manque vraiment de cocktail molotov ou truc du style. Hein. Ah, là c'est un entraîneur. Ok, lui il s'en fout totalement visiblement. Bon, ok, on va se replier deux secondes. Ok, il nous a lâché ses clés, c'est déjà pas mal. Sorte un peu plus de un peu plus lourd là. Voilà, bim bim. Alors que je me gourde de touche à chaque fois, je veux parer et je saute en arrière. Trop le réflexe de. Trop le réflexe de vouloir esquiver. Ok, il est à terre, on va le défoncer. Ok, parfait. Il reste quelqu'un, c'est bon. Alors, il nous a lâché un club de golf. On va reprendre notre petite matraque. Clé de voiture de l'entraîneur. Ok. Attends, mais tu sors d'où toi, sérieusement? Une blague ou quoi? Sans blague. Deux sprinteurs. Rigolez ou quoi? Alors, je voulais la carte moi. Est-ce qu'on a les coffres? Boîte de sûreté. Alors on est plutôt dans le coin là, on est où? Non, on est dans le coin là, on est là, ok. Là il y a un établi, là il y a un coffre. Ça pourrait être ça la boîte de l'entraîneur, mais ça fait loin pour y retourner quand même. On verra peut-être un autre moment. Oh la vache. Il y a du peuple encore. Hey folks, coming through. Yeah, okay. I'm game. Merde, j'ai pas réussi à l'activer. Ah putain, si c'est bon. Je voulais qu'ils explosent. Ok, ça l'a un petit peu endommagé. Il va nous falloir notre grosse masse. Et
Allez, c'est bon, la stabilité est tombée, on peut le finir. Toi, crève aussi, s'il te plaît. Pareil pour toi, c'est bon. Ah putain, je savais bien que j'en entendais un autre. De la vie. Ah, j'ai pas eu le temps de planter la seringue. Fuh. Ok, on réapparaît là. Alors est-ce qu'il est toujours mort le garde? Oui, il y a toujours l'écraseur. Tiens, un bon critique dans ta tronche, ça fait toujours plaisir. Allez, encore un coup. Ok, c'est le traîneur qui vient foutre la merde. Allez, bim! Bim! Voilà. Ouais, ouais, j'arrive, je prends la carte magnétique, y'a pas de soucis. On se détend. And don't you forget it! Ça va pas masse marcher. Oh putain, un grenadier. Tirons-nous. Tirons-nous. Ah, je l'ai pas activé. Zut. Non mais tire-toi, qu'est-ce que tu fais? Cours! On se souviendra que... Hop là! Oula, qu'est-ce que t'as fait Damned? Je vois même pas l'historique. Salut Damned! T'as activé le mode lent? Réservé aux followers, le mode lent? Ok, je sais pas ce que t'as fait. Let's see how Beverly Hills is holding up. Et bah du coup, bonjour Damned! t'es VIP modérateur, alors quand tu te connais de quelque part, ça protège le chat pour être sûr que les gens t'insultent pas. Parfait. Alors je sais pas si on peut dire que ça a résisté, mais à première vue ça a l'air un petit peu plus calme. More fancy houses full of rich people. I gotta find Michael before he adopts another one. Ah ouais, genre t'as voulu cliquer sur une pop-up, t'as cliqué juste à côté, ou genre elle a disparu au dernier moment et bim, tu cliques au mauvais endroit quoi. Le coup classique. Pourquoi les lapins mettent le feu aux gens? This is Michael's place. Oh bah c'est tout prêt. Contaminé à la nuée. Oula. Ça sent le mauvais plan ça. Ah ouais, il m'envoie sa saloperie sur la tronche. Très bien. J'espère que s'il crève, son truc disparaît. Contaminé à la nuée, abrite dans leur abdomen une colonie d'insectes symbiotiques qui, comme tous leurs hôtes, attaquent et cherchent à infecter les victimes. Ah la vache. Larve d'insectes, aérosol, produits chimiques. Ok, ça c'est ce qu'il donne. Toi t'es morte. Ok. Toi aussi t'es en train de te faire bouffer. You guys think someone's home, huh? Voilà, ça c'est fait. T'en veux toi aussi?
semblé entendre quelque chose derrière moi. Non, c'est bon, y'a rien derrière moi. Putain, parer deux personnes en même temps, c'est compliqué. Ah non, si, j'avais bien paré celui-là. Nickel. Toi, t'es pas fini. Ouais, c'est plutôt fun, hein. Je m'amuse bien. C'est vrai que ça donne envie de voir ce que ça donnerait en multi. Mais c'est franchement sympathique. C'est vraiment bien fait, c'est fluide, les zombies sont cool. Bon, ils sortent un peu de n'importe où, comme d'hab, hein. C'est ce qu'il faut, hein. Par contre, meuf, je t'ai parié là. Je suis extrêmement vexé par ton attitude. Voilà. Du coup, on va rentrer. This thing didn't kill itself. Left a trail. Est-ce qu'on a un petit peu de la nourriture? Smells good. Someone was here not long ago. Hollywood careers undressed by Michael Anders. Hustle, man, hustle. Mm-hmm. Mentor of the year. Wow. Ah oui, le reflet par contre. Il y a le reflet de mon arme. Et de ma main. Ah oui, après ils deviennent de plus en plus résistants, ouais, ça c'est clair, hein. Les zombies ils sont pas là pour déconner. Hein. Michael? Locked. Michael? You in there? Oh merde, he could be bleeding out right now. Oui, ou alors il est zombifié là-dedans. Bon. Soundtracks signed by the cast. These might be worth something. If I were a key, where would I be? Ça, c'est une bonne question. Alors dans le chat, si vous étiez une clé, où est-ce que vous cacheriez? Sous la main trépanée, non? This Jessie said she hung up the keys, but they're not here. Hmm. Alors, elle disait quoi, Jessie? Je t'ai rapporté des clés, mes abrutis de parents étaient dans le coltard, ils ont loupé l'évacuation, je dois rester pour les aider. Sérieux. C'est ouvert derrière, ok. Alors, du coup, les clés. Dans la bagarre, ça c'est. Elles sont tombées quelque part. Ah, j'avais pas vu, il y a une jauge en haut, donc on a trouvé 50% des indices visiblement. Sur internet, une clé numérique. Bah écoute, Ganton, alors l'édition Gold elle tape un peu. Après, je sais pas combien de temps d'heures de jeu il y a, mais si je prends par exemple Morrigan, qui a streamé quasiment toute la journée d'hier, elle a fait un tiers du jeu en 8-10 heures. Je sais pas si je peux le voir, je crois qu'il faut que je retourne. Ah, si, peut-être les stats. Non. Sur la page d'accueil, avant de charger les parties, on voit un peu la progression qu'on a fait dans les quêtes principales, etc. Il y a genre une trentaine de quêtes principales, 25 quêtes secondaires, une quarantaine de collectables, je crois. Enfin, il y a quand même de quoi en faire, il y a quand même de quoi jouer un peu, quoi. Donc je sais pas si la collector vaut le coup, surtout que j'ai pas encore trouvé les objets au final. Je crois qu'ils sont... Faut parler à la bonne personne et j'ai pas fait attention. Mais t'as des objets bonus. Alors j'imagine que le C'est ouvert derrière, ça veut dire que si je fais le tour par là, il y a moyen. Encore une saloperie qui sort là. Normalement là il devrait tomber. Ouais, il tombe. T'es mis life. On te met un petit coup dans la crâne. Non, t'es pas mis life, merde. Dommage, bah du coup, à l'ancienne. Hein. Voilà, ma matraque est quasiment pétée. Il y a un flic là-bas qui tape sur. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ok. Bordel!
Est-ce que je sais s'il y a moyen d'update sur la collector si le jeu plaît? Non, je ne sais pas. Sans doute que oui. Mais je suis pas sûr et certain. Mais tu peux passer par le lien de la chaîne hein, si t'es intéressé, Canton, ce sera fort sympathique. Putain, mais ils arrivent en masse là, c'est quoi ce bordel? Sérieusement les gars, c'est quoi? Hop, déjà un de moins. Attends, par contre on se fait taper pendant ce temps là, bien évidemment. Putain, il est pas tombé hein, malgré le... Ok, là c'est par terre. Allez, le petit coup de pied, le petit coup de pied. Le petit coup de pied, non, lui il est mort. Ok, il y en a un autre. Ouais, il sort en boucle, on va se barrer. Donc c'est ouvert par derrière, on va donc essayer de voir si on peut faire le tour. Merde. Tombe par terre, je t'ai dit. Ah, merde. Il est pas tombé assez par terre pour que je le tape. Du coup, le truc me dit que c'est bien là-dedans qu'il faut que je cherche. Donc j'ai raté quelque chose. Oh! Je sais pas comment ça se fait que j'ai trouvé la clé, mais j'ai trouvé la clé. Ah, ça devait être... avec la note là. Donc on a trouvé une arme qu'on peut pas utiliser, il faut être level 9. La résistance, rien à voir avec Daylight. Alors il y a plusieurs stats dans le jeu, il y a les PV, la résilience, la régénération de points de vie. Tu peux aussi régénérer des points de vie si tu pars au bon moment. Avec le système de cartes là, quand tu montes de niveau, tu gagnes des emplacements de cartes et des nouvelles cartes. Et du coup, tu peux avoir des nouvelles compétences. Moi par exemple, j'ai pris le cri de guerre, ça me rend de la santé et ça enlève les effets d'état. Mais je peux gagner un bonus modéré de force si je pars, je peux donner des bonus de dégâts à ma glissade, etc. Donc tu peux construire quand même ton petit build comme ça, un peu custom. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Elle est pas si grande cette maison par rapport à celle d'Emma. Putain, elle s'était planquée dans la poubelle quoi. Ok, sérieux. Gotta open that door. I'm coming, Michael. Ah, puta madre! C'est pas Michael, c'est juste un contaminé de base. Ah, no Michael. He might still be okay. Maybe he went to Jesse's place. Map of some movie lot. Not helpful. Whoa, good job, Michael. Ok, donc il aurait éliminé ça, après il se serait cassé. He was packing, but got interrupted. Oh, hey, Michael. This is Roxanne Kwan. If Jess is there studying, could you tell her to be back here by 8? I don't want her to miss the party. Probably best you don't come though. After, you know. Okay. Bye. Ouais, tu peux lui dire de rentrer, par contre, toi, viens pas. Hein. Sympathique. Heures pour tout faire, ça me paraît un peu short, mais bon après, peut-être en rushant. Rocky 8, 667 Rocky 8. Alors, on va aller par là, on est là, donc on peut plus ou moins se barrer en face, là, à travers la pampa. Quoi ça? Ok, on est par derrière. On va ouvrir la porte en cas de besoin. Alors des fois les zombies ont tendance à disparaître quand on se tourne, c'est marrant. Pour mieux me manger, exactement. Ah, si quelqu'un a déjà réussi à finir le jeu
en 26 heures, bon. C'est que vraiment il a pas dormi pendant 26 heures, je pense. Mais c'est peut-être que. Oui, ça fait déjà 26 heures qu'il est sorti. Il est sorti à minuit le 21. Je réponds à Chobiti qui me demandait. Ah, je suis dans une zone sans zombies là. C'est pas Michael ça. Sorry zombie, party's over. Not a zombie, yo. Is it the pizza? Hey, do you have pizza? Let me in and find out. Yeah, well, if I open this door, a whole load of zombies might rush in, and I'm pretty sure that's a bad thing. You got a gate, just close it. Oh, yeah, well, we're having this big party, right? And some of the guys, not me, were riding on a gate, and it broke. Now, there's a whole bunch of spares in the garage, but it's, like, full of riffraff. I can handle riffraff. Oh, killer. I'll hit the garage button. You bounce the party crashers and fix things up. And then, dude, Mikasa is your casa. Hey, Roxy, we got company. Find your jeans. Oh, the fuck is my underwear? Found the party house. Putain. Ah, la vache, quoi. Hey, find another garage to hang out in. Ok, on va prendre un petit peu plus lourd. Ah, d'accord. Ah, that's gonna attract a crowd. Au moins ils sont mi-life. Voilà. Allez, bien le parer comme il faut. Oh, le mot, il me met des coups de pied. Il est mort. Guys ain't stopping until I close that gate. Putain, mais j'hallucine, ouais, il a allumé de la lumière, l'autre salope, l'autre con, quoi. Un disjoncteur. Ok, ça se ferme. Ah putain, il y a un sprinter qui a réussi à se faufiler en douce. Après, c'est peut-être ce que les... Attends, t'es pas mort, toi. Sérieux? Ah merde, c'est un grenadier ça. C'est peut-être ce que les devs annonçaient, hein. Ils annonçaient peut-être 26 heures de gameplay, hein, je sais pas. J'avoue que j'ai pas à souvenir de ça. Alors, barricader la porte arrière. Ah putain, il y a une autre porte à l'arrière. Ah ouais. Oh la vache, l'enfer. Et l'autre il s'est dit, tiens, si j'allumais la musique, quelle bonne idée. Bah déjà il y en a un, il y a un enflammé qui a foutu la merde. Et l'autre il m'a... Putain, ils ont activé un zombie avec des... Putain, je suis en train de me faire dépouiller la tronche. Touf touf touf. Est-ce qu'on n'a pas de l'électrique plutôt? Pas tant. On va faire exploser celui-là. Ça va peut-être aider. Je suis coincé. Ça pète de partout. Ah putain, c'est électrifié. Saloperie. Ok, il faut du soin. Bordel, un contaminé brûlant. Tiens, mange. Est-ce que je peux lui écraser le crâne? Oui. Alors maintenant, le problème c'est atteindre cette foutue porte. Ah mais il faut un disjoncteur là aussi. Merde. Est-ce que je vais en trouver un autre? Ok, trouvons un autre disjoncteur. Dans le garage. Ok, un truc, un plan, c'est déjà pas mal, un kit de soins. Ah putain, saloperie. Tu me courais après toi, à travers les flammes. Tiens, c'est cadeau. Ok, un autre disjoncteur.
secours. Ah mais il faut que le feu en plus c'est con. Ah mais il y en a deux devant. C'est 10 PV, c'est un peu short. Toc, saute dans l'eau. Ça marche ça? Ah non, zut, c'est. Personnellement, slip de vous laisser rentrer. Dit comme ça, ça envoie du rêve. Alors par contre, cadeau d'adieu. Alors, se dire au revoir mon amour en espagnol, c'est mon pote qui m'a dit ça si je partais. Il m'a dit de dire ça si je partais, que ça ferait une bonne phrase d'adieu. Je vais être honnête avec toi, je pars demain, tu es la seule bonne chose qui me soit arrivée, mais dans cet état merdique, mais je ne peux pas rester juste pour toi même si je le voulais. Je suis pas très doué pour les adieux, alors j'espère que le contenu de cette boîte fera l'affaire. Madame Kuo m'a dit qu'elle la garderait le temps que je finisse ma dernière tournée des piscines de Beverly Hills, pour récupérer tous les chèques et pourboires avant de me tirer de LA. Ok, spoiler, cette ancienne épée super classe que j'ai piquée à ton connard de voisin alcoolique, tu sais, celui qui s'incrustait tout le temps dans tes fêtes. Je me rappelle jamais les noms des pauvres types. Bref, il voulait que je nettoie sa piscine, alors je lui ai fait mon service spécial connard et voilà, je t'ai ramené cette épée. Qu'est-ce que tu veux, on a qu'est-ce qu'on mérite. Il faut les clés d'Obi. Ok, très bien. Bien. Donc on a dit qu'on avait trouvé un établi, hein, je crois. Ah mais il y en avait un là, un disjoncteur, tiens. Petite boisson. Heureusement qu'il y en avait un deuxième dans le garage, parce que je crois que j'aurais galéré s'il avait fallu trouver celui qui était là. Un établi, et on a trouvé un nouveau plan en plus. Alors est-ce qu'on peut réparer les trucs qui sont vraiment complètement cassés? Oui, parfait. Bon après, ça commence à être un petit peu short, 143 dégâts, c'est du niveau 5, il faudrait 3000 balles pour le monter de niveau, ouais. C'est pas forcément pertinent. On pourrait plutôt améliorer peut-être... Alors le couteau, non, c'est trop petit, j'aime pas quand ça a pas d'allonge. Par contre le bâton là... Perforateur. Des dégâts hémorragiques. Bah, allons-y, testons. Plus de vitesse d'attaque. 188 de dégâts pour le bâton là, c'est pas mal. Alors, le club de golf. Hein, il est kiff-kiff. On va s'en débarrasser. Le couteau. On peut mettre deux avantages. Mais pff, couteau, c'est vraiment. Non, c'est trop petit. Hop. 173, 143, ça devient trop petit, on va se débarrasser de ça. Hop là. Et puis on répare les trucs qu'on peut réparer, voilà. C'est bon, j'ai rien fait tomber. Ici, un petit kit de soins, c'est nickel. Et on va sortir... ça, voilà. Si jamais on doit combattre. Ugh, come on, guys. Hey, were you getting the pizza or were you fighting zombies in the yard? The zombies. Oh, right. Did you say pizza? Right. Nope. Sorry, man. Big evacuation party, you know. Oh shit. We gotta get to the evac. Roxy? Roxy, hey, hey, come on, babe. Putain, ils sont complètement déchirés. Gotta evacuate. Hey, Jazzy, pack your shit. We're going. The evac already happened. Oh, oh my fucking skull. Oh. Oh. Putain. Boom. Gods and whiskey. Gods and whiskey. Oh, les parents, la vache. Hey, at least we got supplies for a few months. Yo, you got food to share? Food? Listen, boomers. I'm looking for Michael Anders. What do you want with that stiff?
they don't get along. You don't call the lead singer of Gods and Whiskey a has-been. Damn right. The correct term is was-been. Fake-been? Imbeciles. Okay. Jessie might know. Oh, she's not here. I'm not getting that feeling of disapproval. Another note. Dear Mother, if you must have sex at 3 a.m, please can you refrain from moaning and screaming quite so loudly? That was you. Say she's gone up the hill to help a friend. Hope she doesn't dig after you two. Hey, she's smart. She's in med school. She's real sneaky, too. Every time I turn around, it's like, whoa, she's right there. I'm gonna find her. Ah, cool. Looks like we're gonna have the place to ourselves. No. I need to get my head together. Hey, come on, she's gonna be okay. They're gonna find her. Come on, let's, like, plan and shit. Yeah, play to our strengths. So your big plan, then? I'm just gonna check Jesse's note. Yeah, cool. It's on the floor there. Parle-moi de ton groupe. Non. She's with some... Alors, si jamais tu demandes où je suis en te réveillant, je suis allé sur la colline pour aider un pote. Je vais passer voir les gars du chantier, je reviens après. Dire qu'ils mettent un froc si possible. Construction workers? Oh yeah, they were renovating one of the big houses up the hill, and the crew will hold up inside. You can't miss it. Okay then, go on. Les mecs, c'est l'apocalypse zombie et tout, ils sont en mode gros stuff quoi. Dira, hein, au moins, on profite hein. Oh la baraque, putain. Ça ressemble plus à rien. Un gros plan, caneton, t'as dit. Rescue attempt part 2. Alors, visiblement ce serait plutôt par là-bas. Alors, est-ce qu'on a une carte? Ok, on veut aller ici. Ça, c'est quoi ça? On rencontre beaucoup d'écraseurs dans cette zone. Ah, beaucoup, carrément. Donc on passerait genre plutôt par là. Comment... Il me semblait qu'on pouvait mettre un point avec entrée. Pourquoi j'ai plus de sous? J'ai foutu. Je sais pas. Il me semble pas que j'ai amélioré d'armes pourtant, mais bon, peut-être. Alors du coup, on va plutôt essayer de passer par la pampa. Hein. Donc il faut qu'on recule et qu'on reprenne la route qui monte. Ok, ça c'est un pas cool ça. Mais on va par là quand même. Alors si on vise la tête... Non. Visiblement ça les énerve quand même. Très bien. C'est bon à savoir, je pensais qu'il fallait qu'on touche le bide pour qu'il s'énerve, mais non. Zombies holding a festival? Ouais, c'est bien ce qu'il me semble, il y a de la musique là. Hein. Ah, she's been luring zombies. Bah ça marche. Bien joué. Ok, un de moins. Deux de moins, ça fait quand même pas beaucoup. Une arme électrique, il nous en reste une. Ah, il nous reste que ça en électrique. Zut. Qu'on en refasse un peu. Tu
Tu le sens pas le câble qui file vers le bassin, Marianne? Moi je le fais à l'ancienne. À coup de griffe. Voilà, hop. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait un câble là qui probablement, ouais, qui est relié à un générateur là-haut. Ouais, on prend un petit peu de foudre, c'est pas grave. On va reprendre notre club de golf, tiens. C'est quoi ce truc rouge? Qu'est-ce que t'es toi? Contaminé électrique, ça me plaît pas des masses, ça. Ah pute! Merci de décéder. Alors, qu'est-ce qui fait de beau dans sa ville contaminée électrique? Était exposé à des champs électromagnétiques pendant que l'autophage modifiait sa structure cellulaire. Ces mutations lui confèrent une incroyable super capacité électrique. Incroyable super, je sais pas si on peut dire ça, mais je vois l'idée. Une batterie, des bidons de caustique. Ok. Pourquoi elle veut absolument attirer les... On va le démarrer ça. Comme ça, si jamais on a besoin de nouveau de cette piscine, on aura ce qu'il faut. Up the ladder, then she threw it down. Ida! Okay, watch the traps. Ah putain, les survivants ont empêché de nouvelles zones. Appuyez sur F à côté d'un piège pour le désamorcer. Sérieusement, il va falloir faire gaffe aux pièges maintenant. Ah ouais. Jesse's friends don't mess around. Effectivement. Qu'est-ce que ça active? C'est quoi? Ah oui, il était là le truc qui a tiré, très bien. Fort bien, fort bien. Jesse? Anyone? Ah, il y a du rouge là-dessus, je pensais que je pouvais casser, mais non. Je peux casser le truc de flotte. Et salut, okay. Bigadin, salut tout le monde. Merci now beaucoup what? Pour le raid, j'espère que vous allez bien. Je peux pas désamorcer ce piège là? Je suis pas assez proche. Oups, don't mind me. Nobody does seem to be minding though. Je pensais qu'il sortirait jamais ce jeu, et bah écoute, comme quoi tout arrive. Il est sorti et on sent bien la petite influence de Saint-Tro qui est passée. Vous faisiez quoi, un petit Darkest Donjon? Salut Acta, bienvenue sur le live. Salut Pascal, bienvenue sur le live, il y a plein de gens, trop de gens. J'arrive pas à voir avec les grosses pop-up premiers. Salut Praise, salut Acta, salut Pascal. J'ai vu que malheureusement t'avais dû recommencer ton run sur un décès de Rinoal, je crois. Faut que t'arrêtes de prendre des brise-boucliers, hein. Entre les cauchemars et le fait qu'ils meurent. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ils ont électrifié l'escalier, c'est... emmerdant. Ah, t'as recommencé ce matin, merde, t'as reperdu. Pas cool ça. Ok, là c'est dehors. Alors du coup, faut qu'on trouve... Ah, ça c'est une grosse saloperie ça. Non? Ah non, même pas. Ok, on enlève la batterie. Ah! Coucou toi! Salut toi! Bah oui hein, ça électrifie la batterie hein. Comment ton malin? Vas-y, t'es par terre. T'es mort.
Ouais, bah c'est vrai, t'as raison, Pascal. Hein, faudrait que tu me raides plus souvent, Biga. A tout à l'heure, Bigadin. Merci encore. Tiens, bim. Hop, on va l'aider avec un petit coup. Ah, ça peut suffire. Voilà. Bon, du coup, c'est plus électrique, on peut passer. C'est quoi qui nous est tombé dessus là? Ah, c'est de l'eau, d'accord. Okay. Ils ont fait un trou ici pour électrifier l'escalier. Putain, les mecs ils sont malins. Hein. On ne stream pas aux mêmes horaires. C'est vrai que je stream assez peu pendant la semaine. Mais tu vois, un petit raid de temps en temps, ça fait bien plaisir. Ah merde, putain, le piège. Je l'ai vu au dernier moment là, le fusil à pompe là. Tiens, mange. Bah. Ah, les petits œils qui pendouillent, c'est toujours sympathique. Bon, c'est une chose sérieuse. Toi, t'es pas morte, toi? Non. Mieux vaut avoir les idées courtes que les jambes. C'est vrai. Alors, on a débloqué une nouvelle carte. Où ça? Ici, là. Alors, si on fait Alt et une direction, on peut esquiver. Ah, alors je pense que je vais préférer esquiver que bloquer. On va essayer. Ah ouais, c'est carrément plus mon style déjà. Tube d'échafaudage. Bon, visiblement, même en ayant blindé la maison, il y a eu un petit problème. Hein. Ok, il va y avoir un chef de chantier à tuer quelque part à tous les coups. Machine, si c'était la merde, fallait pas mettre la musique à fond. Hein. Party's over, dudes. Un sprinter électrique, vous êtes sérieux? Attention, il va exploser. Non. Rapide, agressive, hyper alerte et générant des mégavolts de courant électrique. Bim. Ok. Ah oui, j'ai cru que c'était elle qu'on avait, mais non, c'est juste que... Allez, hop. Ciao. Ah. Sorry, not trying to be a buzzkill. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Pascal n'aime pas les nains. Les nains au sens dans les jeux de rôle. Salut toi. Ah, et t'as un plan. Mutilateur au corps à corps, j'aime ça. I'm Jesse. Carla, I'm a friend of Michael's. Oh, he never mentioned you. Yeah, we're apocalypse buddies. You bonded over not being dead? They didn't have much else in common. Do you know where he is? On his way to Monarch Studios. Ça, c'est de la discussion. The movie lot? Why? He had to get something important. So I made a lot of noise to distract all the zombies, and Michael snuck through the gate to the studio access road. My plan was to hang out with the construction guys till the zombies got bored and left. You mean the construction guys who also turned into zombies? Well, obviously, I didn't know about that. They were fine yesterday. I'm just playing. Look, your mom's worried about you. Oh, they regained consciousness, did they? You know, she was perfectly sensible before she met Ricky. Now it's like trying to keep a couple of wasted teenagers alive. Well, you're a good daughter, Jesse. I just hope Michael comes back. I miss having someone intelligent to talk to. Want me to get you back? I'm pretty sneaky when Michael's not galumphing along next to me. You can get going. All right, man. Be seeing you. C'est clair que les parents, ils étaient quand même un petit peu atteints. Hein. Alors, on peut réparer un peu. On peut réparer un peu. Et ça, c'était un couteau de chasse de défi.
Alors, regardons un peu à quoi ça ressemble. Ah, il faut que je sois dans une zone où je peux mettre un couteau de chasse. Ok, c'est pas mal. On va quand même le voir ce qu'on peut mettre dessus. Énergie du désespoir. Quand la santé est basse, donne un bonus de résistance. Plus la santé est basse, plus l'effet augmente. Ah, cool. Et on peut mettre quoi? Mutilateur. Bonus aux dégâts physiques. Les coups successifs appliquent l'effet affaibli. Toucher un zombie affaibli restaure de l'endurance. Ok, pas mal. On pourra mettre le feu aussi, mais ça, je pense que c'est pas mal sur un couteau. Et du coup, on peut lui mettre un truc qui fait qu'il attaque plus vite. Oh! La double lame du couteau, quoi. Ça, c'est beau. Augmenter la vitesse d'attaque. Allez hop. Ouais, il a quand même 230 de vitesse d'attaque, le machin. De force, le truc. Hein. Ça, c'est niveau 8. On l'a pas utilisé, le bâton beau, en fait, en vrai. Finalement. On va l'utiliser un peu. Voir ce que ça donne de faire saigner. Alors du coup il s'est faufilé par derrière le mec. On n'a pas trouvé le chef de chantier à tuer. Coucou toi. Oh, bah c'est rapide eh. Vache. J'aime. Le couteau deviendrait presque un sécateur. Ouais y a de ça ouais. Oh, c'est un magnifique couteau là. Monarch Studios. The hell is Michael doing heading over there? Je suis assez d'accord. Qu'est-ce qui branle là? Ça va chier. Faut quand même reprendre le bâton. J'aime bien les armes contondantes dans ce jeu là. Dans le 1 j'aimais beaucoup les armes tranchantes. Dans celui-là j'avoue que les armes contondantes font bien le taf. Effet pervers. Reggie, je vais devenir dingue. Le propriétaire vient de passer. Il m'a dit qu'il n'était pas du tout content avec le cours. Le filet doit être aligné sur l'axe de la Terre pour pointer vers le pôle magnétique. Comme ça, il pourra servir en coupant des lignes de champ et mettre plus d'effet. Donc, il faut pivoter tout le cours de 30 degrés. Putain. Ah, le gros relou. Sérieusement. Toi. D'accord, c'est comme ça. Quoi, t'es mi-life là? Non, tu veux pas? Okay. Je tue du coup. Pourquoi y'a un truc comme ça qui s'active là? Genre il y avait un piège ou je ne sais quoi? Bizarre. Il devait y avoir un truc qui s'est activé quelque part et qui s'est terminé là. Un traînard, ok très bien. Nous on va où? Par là-bas. J'ai pas regardé la carte. Ah d'accord, on change de zone. Très bien, enfin, changeons de zone du coup. C'est plus simple comme ça. Ah bah putain oui, tu m'étonnes. Ouais. Je pense qu'on peut utiliser ce terme. Déjà on va les envoyer là-dedans. Voilà. Il y a le Major là. Major, on va lui dépouiller la tronche. Ça lui fera les... Putain la vache, ça se répand là la saloperie là. Une seconde classe. Des petits shurikens. Voilà, petite attaque de shuriken, un colonel. En plus il y a ces saloperies de bestioles là. Ok, c'est bon, ça, ils ont fini par crever avec le tonneau qui se balade. Oh, c'était classe! J'aime quand on canne comme ça. Bon! Asgard. Le petit cri là, il était pas sympathique par contre. Ok,
claquer une trousse de soins. Et donc ça c'était quoi? Chris en crise. Christé, j'ai besoin de me défouler. Eh, c'est à ça que sert le salon des Chris. Vas-y, j'en ai marre d'être emballé, la merde toxique partout, ça me fera une pause. Il y a un type qui s'est pointé, il pue la bœuf à 3 mètres, nous a raconté que non mec, les zombies c'est juste des gens malades, tu vois, et qu'on devrait pas leur tirer dessus. Mec, c'est un pays libre, t'as le droit de dire ce que tu veux et de croire au Père Noël, mais après c'est moi qui dois empêcher tous ceux qui ont perdu quelqu'un de te péter la gueule. Choisis ton camp, hein. On a eu un comme ça à l'hôtel. Attends, mais on a quoi? On a Chris D, Chris M, Chris T, d'accord. Il se pointe genre, je suis un génie, tout ça c'est faux, les gens meurent pas vraiment, le gouvernement nous ment. On la code dans une pièce avec un zombie pour qu'il voit si c'était faux. Le zombie avait des dents et des griffes et tout le reste coupé et on le surveillait. Mais 10 secondes à se faire sucer la tronche, le type est ressorti avec le froc tout mis, un nouvel avis sur la situation. Ah putain, moi j'ai juste une famille avec des noms bizarres, pas les parents, Jack et Julie normal, mais les gosses s'appelaient Alien, Werster Steel et Yamadark, on voyait bien qu'ils se détestaient, qu'ils détestaient. C'est des personnages du cimetière des Dragonautes, mes gamins sont complètement accros à ce truc. J'ai une nana qui avait un gros cocard bien frais, elle a dit que c'était juste une mauvaise chute, mais on a dû l'examiner, pas de morsure, température normale, juste pas mal de bleu qui datait un peu, on a laissé passer, son billet d'avion était au nom du mari, il était pas là, elle nous a dit que les zombies l'avaient chopé, j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi heureux de toute la semaine. Glauque, mais tant mieux pour elle. Tu m'étonnes. Oh, un truc. Bombe tuyau. Bombe tuyau, qu'est-ce que ça fait de beau? Ah, un truc explosif. Bah voilà, c'est ça qui nous manquait, une petite grenade explosive. You guys here for the studio tour too? Donc on commence par les mettre bien en tas. Bon, par contre, ça va attirer la foule, hein, bien sûr. Pas mal. Il m'a mis un coup quand même. Le problème de l'explosion, c'est que ça attire du monde. Et qu'on voit que dalle dans la fumée en plus. Ah putain. Y'a pas d'autre, un traîneur ici. Ça, ça devrait aller. Je peux plus leur écraser la tête là. Allez. Non mais oh. Alors. Ok. Ah putain, un truc enflammé collé à la gueule. Ça fait pas plaisir. Putain la vache, il est costaud, hein. L'autre il est mort. Ouais. C'est bon, il s'éteint quand, quand on le tue. C'est le bon plan. Bon, par contre, il va nous falloir la. La bombe anti-incendie là. Ok, là-bas on a un truc de soin, mais on est bon. J'aime pas quand il y a une petite musique comme ça qui se lance. Putain, ça a repris feu là aussi. Ça. Ouh, coucou. Jusqu'où tu peux lancer ça? Plutôt assez loin. Allez. Balance ça. Ça fait le taf. Ça va attirer la moitié de la map, mais ça fait le taf. Bon, il est mis life lui. Allez, reviens vers moi là dans les flammes. Ah merde. Saloperie.
va aller chercher. Non. La trousse de soins. Là, vu qu'on en a consommé une. Bien joué hein, de sa part hein, d'allumer la borne à incendie là et sauver la foule. Alors du coup, est-ce qu'il y a des sprinteurs qui ont entendu l'explosion? Je dirais pas, mais ça, c'est un mec à faire exploser. Ça vient d'où ces bruits là? Ils sont derrière, c'est ça? Ils sont derrière, ok. Allez, explose maintenant! Vas-y! Bien joué! Attends, non, il y a un truc à ramasser, voilà. Sortie de zone vers Monarch Studio, bah allons-y! On trinque au signe, on trinque au signe! Hop, deux gorgées pour damner des cantons. Ouais, c'est l'éclate, ouais, ça pète de partout. c'est un peu la teuf. Et on arrive à Monarch Studio de nuit. Et j'avais toujours ma lampe d'allumée, tiens. Bon, pas de raison de l'éteindre en même temps, même quand il fait jour. Vu qu'il n'y a pas vraiment de batterie. Monarch Studio, porte 2. Ok, très bien. Et bah du coup je pense qu'on va s'arrêter là parce que mine de rien il est quand même 14h, ça fait 4h que je live, c'est pas si commun. Je vais faire une petite pause, avaler un morceau, jardiner un petit peu probablement et on se retrouvera je pense dans l'après-midi. J'espère que cette session vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous êtes en VOD. Merci à tous ceux qui sont passés, merci à Bigadin pour le raid. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très vite pour la suite.